toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo All Mode. J'ai énormément de choses à vous présenter. J'ai pas mal de Zara, de Zadie Voltaire, Aline Bing, Amayo Primark, des sandales Mage. Bon, de toute manière, je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Je voulais vous préciser aussi que je vous ai montré certaines pièces déjà sur mon compte Instagram. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, vous pouvez le faire parce que ça vous permettra de voir les pièces comme ça en avance sans attendre YouTube. Et si vous ne me connaissez pas, bien entendu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est parti, je commence. Alors, je commence d'abord avec ce t-shirt de chez Zadie Voltaire que je vous avais montré rapidement sur Instagram parce que j'ai quand même envie de garder quelques surprises pour YouTube. Si vous vous souvenez, cet hiver, j'avais déjà acheté un t-shirt Zadie Voltaire avec l'inscription rive droite, rive gauche. La tenue est vraiment parfaite. J'ai passé plusieurs fois en machine, il tient parfaitement. Là, au niveau du col également. Donc le coton est de très très bonne qualité et j'ai trouvé que ce t-shirt tout blanc avec les inscriptions en doré était parfait pour l'été avec un t-shirt, une petite jupe longue, un jean, voilà, il est impeccable et on peut mettre ça avec par exemple des petites sandales dorées pour faire un rappel. Il est vraiment très très chouette. Alors, étant donné que je suis dans les t-shirts, je continue avec celui-ci qui vient de la créatrice Aline Bing, qui est une créatrice que j'aime beaucoup. Ses vêtements sont d'ailleurs sold out très rapidement sur les sites internet ou en boutique. Je suis tombée dessus dans une boutique à Nice, donc j'étais très très contente. J'adore le t-shirt à imprimer, celui-ci est vraiment très très beau. La couleur du t-shirt, qui est une couleur crée, est superbe. Le coton, rien à redire. Moi, vous savez que maintenant, je privilégie vraiment les t-shirts d'excellente qualité. Avant, j'avais tendance à acheter pas mal de t-shirts Zara qui, au bout de 2-3 lavages, était complètement qui terminait en fait en t-shirt pour dormir. Donc je préfère maintenant acheter peu de t-shirts mais d'excellente qualité et qui vont durer des mois et des mois plutôt que des t-shirts qui vont tourner en pyjama au bout de 3 lavages. J'ai pris une taille S. Alors j'avais essayé aussi le XS qui m'allait aussi bien, mais je trouvais qu'en XS c'était plus joli, il y avait un rendu plus loose. Ça avec un petit boyfriend, une jupe pour l'été, il est parfait. Alors vous avez aussi d'autres t-shirts bien entendu de la créatrice qui sont tout aussi beaux. Et si vous ne connaissez pas cette marque, allez faire un tour, elle a des choses très très belles. Je passe à cette blouse de chez Zara que je portais dans la vidéo FAQ. Vous avez été nombreuses à me dire oh là là, cette blouse est trop jolie. Oui oui, je vous confirme, elle est très très belle. Le tombé est parfait, elle a des manches chauve-souris. Même en cas de grosse chaleur, on peut la porter parce qu'elle est quand même assez légère. Donc la première taille commence au S, donc il n'y a pas de XS. Elle m'a coûté 29,95€ et je l'ai achetée quand j'étais à Paris. Je l'avais trouvée vraiment très très jolie. Et je tiens à vous préciser que j'ai tourné ma FAQ avec l'étiquette dans le dos, mais je voulais garder l'étiquette parce que je savais que j'allais tourner le haul. Voilà, elle est bien loose, ça avec un petit jean boyfriend, elle est parfaite. Elle est très douce à porter, un très joli décolleté, donc je vous la recommande vivement. Alors je passe à cette blouse que je trouve absolument ravissante. Vous verrez porter, le rendu sera bien plus joli que sur un cintre. Regardez le détail de la broderie. Donc c'est pas une blouse, hein, c'est un pull hein, avec des manches bouffantes. Il est superbe, vraiment. Donc c'est un Zara, hein. Tout ce que je vais vous présenter maintenant, c'est du Zara. Alors je me suis loupée au niveau de la taille parce qu'en fait, sur le mannequin, il paraissait très court. Donc j'ai commandé un M et en fait un S était largement suffisant. Je me suis dit, c'est pas raisonnable, on va rentrer dans l'été, tu vas pas le mettre. Mais je trouve qu'il était tellement beau qu'il fallait que je l'aie. J'ai pas résisté, donc je l'ai commandé. Donc à l'heure actuelle, il est sold out. Donc je sais qu'il va rentrer de nouveau en stock. Donc je vais vous mettre bien évidemment la référence en barre d'infos. Je continue avec cette blouse de chez Zara, un gros coup de cœur également. Je trouve qu'on est vraiment dans un esprit bash. Elle est très très bien finie, des très jolis détails avec des volants au niveau des épaules, sur le devant et également derrière. Les petites manches se terminent comme ceci.
Elle est très très bien travaillée, vraiment. C'est un gros coup de cœur. Ce que j'ai apprécié également dans cette blouse, c'est la couleur. Ça change de la blouse blanche habituelle avec ce joli beige. Et ça passe également avec des jolis jeans blancs, avec une, si vous mettez par exemple un joli pantalon blanc pour aller avec, ou un short par exemple l'été avec un beau jean, voilà, ça sera vraiment très très chouette, des jolies sandales dorées, ça vous fera vraiment un petit look très sympa. Je vous la montre encore plus en détail avec le petit détail au niveau du col, elle est très très jolie. Alors en revanche, au niveau de la taille, j'ai pris une taille M parce qu'elle était quand même assez petite, donc j'ai préféré la surtailler, j'ai trouvé que le rendu était plus joli. Vous savez que moi j'aime porter les affaires de manière loose, c'est mon style. Au niveau du prix, je crois qu'on était à 39 ou 29 euros, j'ai enlevé l'étiquette. Et celle-ci également, je ne peux que vous la conseiller, elle est très très jolie, vraiment, on dirait une bâche, elle est très vraiment très très bien faite. Je passe ensuite à ce short de chez Zara. Alors moi, chaque année, je suis à la recherche du short en jean parfait. Je ne trouve jamais mon Graal. Alors là, j'ai vu dernièrement qu'il y en avait des sympas chez Levi's, donc je vais aller faire un petit tour. J'ai trouvé que celui-ci était vraiment très très chouette. Il est taille haute, donc j'ai pris une taille 36 parce que je surtaille toujours les jeans, les shorts en jean. Et il est comme ceci derrière. Je trouve que le bleu est vraiment très très sympa. Au niveau du prix, il était à 19 ou 29 euros de mémoire. Alors je suis en train de me rendre compte, depuis tout à l'heure, je ne vous montre que des vêtements qui sont blanc, beige ou crème. Mais c'est vrai que c'est le genre de couleur que j'adore porter pour l'été. Et je continue avec ce petit haut de chez Zara. Je trouve que c'est une jolie alternative par rapport aux débardeurs classiques. Il a de très jolis volants, très joli décolleté également. Par contre, moi je vais être obligée de le faire reprendre parce que les bretelles sont beaucoup trop grandes pour moi. Alors je me rapproche pour que vous puissiez mieux voir la matière. Vous voyez, vous avez différentes matières. Là, ici, on a l'impression que c'est transparent, sauf que vous mettez un soutien-gorge nude, donc du coup, on ne voit pas du tout la transparence. Il y a du coton à ce niveau-là, il est très très joli. Toujours dans un esprit bohème, vous savez que c'est vraiment le style que j'affectionne tout particulièrement. Il commence à partir de la taille S, donc j'ai pris une taille S et il est à 17,95€. Ensuite, je suis ravie parce que j'avais une idée très précise d'une robe pour cet été. Je voulais une robe avec épaules dénudées, blanche, en coton, longue, avec un petit volant en bas, et je l'ai trouvée chez Zara, donc je suis vraiment très très contente. J'en avais commandé une avant sur internet, que j'avais fait renvoyer parce que je trouvais que la qualité était vraiment pas terrible. Donc la voici. Donc elle est comme ceci, avec épaules dénudées, bien longue, avec un petit volant en bas, en coton. Alors par contre, elle est quand même assez transparente. Si vous souhaitez la porter pour la ville, bien entendu, je vous conseille de mettre un fond de robe parce que sinon ça risque d'être un petit peu gênant quand même. Et sinon, pour aller à la plage, elle sera canonissime, avec un petit panier, un chapeau, des petites mules. Je l'aime. Je l'aime, ou bien on dirait que je vous parle d'un homme, mais non, je vous parle d'une robe. Et je crois que je l'aime tellement que je vais me la racheter en double exemplaire. Donc il y a des vêtements comme ça qui pourraient vous faire faire la danse de la joie. Moi c'est mon cas. Elle est à 39,95€. Elle commence à la taille XS. Moi j'ai pris une taille S parce que je voulais pas être serrée au niveau des épaules. Je continue avec cette très longue jupe de chez Zara. J'ai adoré la couleur. Celle-ci, je vous l'ai déjà montrée en story Instagram. Elle est hyper fluide, très très agréable à porter. Elle est très longue, très confortable parce que vous avez un élastique. Donc elle est taille haute, mais on est vraiment très très bien en raison de l'élastique. Je trouve que la couleur, cette espèce de rose poudré, bon là ça paraît plus beige à la caméra, mais c'est un petit peu plus rose poudré en vrai. Vraiment très très belle pour l'été. Elle est absolument pas transparente. C'est le genre de vêtements que j'adore porter l'été, on est tellement bien dedans. Au niveau de la taille, j'ai pris une taille XSS parce que vous avez XSS, ensuite SM et ML. Donc vraiment, ne surtaillez pas, prenez votre taille habituelle en raison de l'élastique. Et ça, vous mettez ça l'été avec un petit débardeur
en lin blanc ou en soie, parce que je pense que ce sera plus joli en lin ou en coton avec des jolis bijoux et des mules plates, ça sera vraiment très joli. Celle-ci, vraiment, je vous la recommande vivement. Enfin, ceci dit, je n'arrête pas de vous dire que je vous recommande vivement ce que je vous montre, mais c'est vrai que j'aime tout ce que j'ai pu acheter, donc forcément, je ne suis pas très objective. Mais celle-ci, il faut l'avoir pour cet été. Ensuite, cette année, je voulais avoir un beau pantalon en lin bien coupé avec une coupe flair taille haute, voilà, avoir quelque chose de joli si j'avais besoin de m'habiller un petit peu plus que d'habitude. Donc j'ai pris ce pantalon qui est en fait dans le même style que celui que je vous avais montré dans le dernier haul mode. Donc un très très beau pantalon en lin blanc avec une coupe flair. Celui-ci, je n'ai pas besoin de le faire raccourcir. Il est taille haute mais très confortable parce qu'on a un élastique également derrière. Le lin est de très belle qualité, il n'est pas transparent. Bon, il vaut toujours mieux mettre quand même des sous-vêtements nude hein, avec des vêtements crème, mais le lin n'est pas du tout transparent. Vous avez des jolies poches sur le devant, également derrière. Pour ma part, donc, j'ai pris une taille XS et il est au prix de 49,95€. Et c'est le genre de pantalon qui sera très joli, par exemple le soir avec un petit top en soie. Et la journée, si on veut le porter un petit peu plus sport, entre guillemets, c'est très sympa, par exemple, de le porter noué avec une chemise nouée. Également en lin ou voilà, quelque chose dans le même esprit. Je recherchais un pantalon bien grand, fluide, un peu style pyjama pour l'été quand il fait vraiment très très chaud. Et je suis tombée sur celui-ci la semaine dernière. Je l'ai trouvé tellement agréable, doux et la couleur tellement jolie. Et alors il n'est pas transparent. Il est taille haute, je l'ai pris en taille XS, il coûte 25,95€. Je sais qu'il existe le haut, mais qui n'était pas disponible en magasin. Je crois que le haut n'est pas encore disponible sur le site. C'est un pantalon que vous pouvez trouver également en noir, en crème de mémoire. Alors quand vous le portez, vous avez même l'impression de porter une jupe. C'est le genre de pantalon qui est tellement agréable quand il fait très très chaud. Et voilà, ça c'est toujours un petit basique à avoir dans son dressing. Ensuite chez Primark, j'ai pris ce maillot que j'ai trouvé vraiment très joli. Je le trouve vraiment parfait. J'ai regretté de ne pas avoir trouvé un second magasin parce que je l'aurais bien pris. Donc j'ai pris le bas en 38 à 5€. Franchement, 5€ le maillot, je trouve qu'il est superbe, il est doublé. Et j'ai pris également le haut parce que j'ai réussi à le trouver, donc j'étais ravie. Et avec le petit détail au milieu, donc je ne sais pas s'il est encore dispo chez Primark, allez voir. Je vous l'avais montré aussi déjà celui-ci sur Instagram. Je passe ensuite à ce maillot que j'avais acheté chez Princess Tam Tam, celui-ci je vous l'avais montré également en story sur Instagram. Je l'avais acheté à moins 30%, je trouve que l'imprimé est vraiment magnifique parce que j'ai rarement des coups de foudre pour les maillots. J'ai pris également le bas, voilà, en forme de bikini. Donc au niveau des tailles, j'ai pris un 36 pour le bas et pour le haut, j'ai pris un 38. Mais je vous remontre comme ça l'imprimé, je trouve qu'il est magnifique. Voilà. Alors, je sais que de temps en temps, ils font des ventes privées chez Princess Tam Tam, donc moi je l'ai payé 30%, donc allez voir s'il est toujours disponible. Je continue avec ce grand kimono que j'ai acheté pour la plage. Je ne vais pas vous le montrer porter parce qu'il faudrait que je me mette en maillot pour que le rendu soit sympa. Et je vous avoue que je n'ai pas spécialement envie de me mettre en maillot sur YouTube. Je me rapproche pour que vous puissiez mieux voir le tissu. Mais ça, avec un maillot blanc l'été pour aller à la plage, c'est parfait. Quand on a envie de se balader sur la plage ou pour déjeuner avec au restaurant, il est très doux, la matière est très agréable. Et j'ai trouvé que l'imprimé était vraiment très très beau. Une fois qu'on est bronzé pour l'été, et en plus j'ai un chapeau avec le rebord qui va rappeler le kimono, donc je suis vraiment très très contente. Au niveau du prix, 39,95€ et c'est une taille M unique.
Mais c'est vrai que ça, c'est toujours sympa d'avoir des jolis petits ensembles de plages. Deux paires de chaussures à vous présenter. Je commence d'abord par cette paire de sandales de chez Maje qui se nouent autour de la cheville. Ce sont vraiment les sandales parfaites. Je trouve que le doré est vraiment très très beau. Elles sont extrêmement confortables parce qu'il y a comme un coussinet au niveau du talon. Je trouve qu'on a un très joli petit détail avec le côté le clouté. Celles-ci, je vous les avais déjà montrées sur Instagram le jour où je les avais commandées. Je les avais trouvées, je crois, sur vente privée ou sur mon showroom privé, je ne sais plus. Et je les avais eues à moins 70%. J'en suis ravie. Ça va avec tout, on peut les mettre le soir, on peut les mettre la journée. Le doré est vraiment très joli, elles sont très bien travaillées sur le devant. C'est pour ça que je vous dis souvent, suivez-moi sur Instagram parce que je vous montre les choses en avance. Elles sont parfaites, donc si jamais vous les trouvez, prenez votre pointure habituelle. Voilà, je vous les remontre encore une dernière fois. Je termine avec ces sandales que vous avez dû voir 1 million de fois sur Instagram et sur YouTube. Alors pour la petite histoire, celle-ci, je vous avais fait un petit haul sur Instagram. Je vous les avais montrées, je vous avais dit je ne les garde pas. Effectivement, je les avais renvoyées. Finalement, je les ai recommandées parce que je me suis dit que pour la plage, ce ne sont pas du tout des sandales que je vais porter pour la ville, mais pour aller à la plage, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Il suffit de nouer. Le doré est très joli. Et ça, c'est parfait pour aller avec des robes longues, des shorts l'été. Je trouve que ça vous habille une petite tenue. Alors, honnêtement, ce sont des sandales que je trouve pas d'une très très grande qualité. Ça va faire une saison, mais je crois que de mémoire, elles étaient vraiment pas chères du tout. Voilà, je les ai payées 29 €. J'ai pris ma pointure habituelle et pour aller à la plage, ça fera très très bien l'affaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires sous la vidéo. Dites-moi quel article vous avez préféré, si vous avez envie de faire du shopping cet été, si vous avez déjà commandé ou acheté en magasin des vêtements. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram également. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très très vite pour une prochaine vidéo.